Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve du coup pour vous donner quelques nouvelles parce qu'il y a de nouveau du changement dans ma vie. Oui, je vais de nouveau déménager, donc voilà, tous les 6 mois à peu près vous pouvez compter sur un déménagement. Non, en vrai j'espère que cette fois ça va durer quand même un peu plus longtemps que ça parce que c'est un peu crevant. Mais en gros je m'en vais de Paris, je vais à l'étranger mais pas très loin. Vous aurez la réponse si vous allez sur Instagram, mais surtout je vais vous faire une vidéo en fait sur ça où je vais vous parler justement de pourquoi je décide de quitter Paris, moi qu'est-ce qui m'a plu dans Paris, qu'est-ce qui m'a pas plu, et surtout bah, la nouvelle opportunité, là où je m'en vais, tout ça. Mais cette vidéo en fait je me suis dit que j'avais envie de vous faire un petit ce qu'on appelle les apartment tours, un truc comme ça, genre le tour de mon appartement quoi. Ça va être assez rapide parce que mon appartement est de 20 mètres carrés, donc voilà. Mais je suis assez contente de comment je l'ai aménagé et puis il était assez bien agencé à la base. Je voulais pas forcément le faire avant, ce type de vidéo c'est quand même vachement intime parce que ben, je vous montre mon intimité, mon chez-moi. Mais vu que je pars, ben, là je m'en fiche un petit peu, au contraire je suis contente de vous montrer comment j'ai pu tout aménager et quelques petites astuces que j'ai, quelques petits trucs que j'ai achetés qui vous plairont sûrement, genre mon pommeau de douche. Oui, mon pommeau de douche est exceptionnel, je vais vous le montrer, vous allez comprendre. Bref, du coup je vais vous montrer mon appart et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors voilà mon entrée avec ma porte blindée de ouf, mais sinon j'ai mis le miroir qui était chez mes parents à la base, que j'ai ramené ici, que j'ai accroché au mur. Et j'ai mis aussi du coup un meuble Ikea qui est le meuble à chaussures un peu classique, je sais pas si vous le connaissez celui-là, mais en fait ce qui est pratique c'est qu'il est quand même hyper fin et du coup on peut rentrer mes 15 milliards de paires de chaussures dedans. Là c'est un peu le bazar à l'intérieur, mais si vous organisez bien je suis sûre que vous pouvez en rentrer encore plus. Moi j'ai fait, là déjà vous verrez l'effort que j'ai fait pour vous mettre l'appartement nickel, j'ai quand même pas fait l'intérieur des placards, faut pas déconner. Bref, du coup, il y a aussi un petit porte-manteau que j'ai mis au-dessus. Bah, je l'utilise plutôt comme porte-sac, porte-chapeau, des trucs plus petits parce que les manteaux rentrent pas. Et il y a une petite peinture de ma maman. Elle dessine et elle peint trop bien. Donc voilà, là, mes petits sacs. Après, là, on rentre en fait directement sur la salle de bain. Alors j'ai eu pas mal de chance parce qu'en fait l'appart a été rénové juste avant que j'emménage, donc voilà, les meubles et tout ça, franchement ils sont hyper modernes et ils sont quand même sympas. Là la salle de bain elle est toute jolie, je trouve ce meuble hyper cool, je sais pas où ma proprio l'a acheté, avec ce que j'aime bien aussi, ce placard là qui est miroir et on peut ranger encore plein de choses dedans. Donc ça c'est cool, à côté on a voilà le toilette, la baignoire, franchement à Paris c'est un luxe quand même de ouf, et je suis trop contente parce que cet hiver je me suis fait des petits bains avec les bougies et tout, j'étais trop bien. Qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, donc j'utilise vraiment tous les espaces possibles et inimaginables pour ranger des trucs. Donc là sous les meubles évidemment je mets la papier toilette, j'ai mis des trucs pour nettoyer, à côté j'ai rajouté une caisse, c'est ma caisse à maquillage en fait, c'est une caisse à outils que j'utilise comme boîte à maquillage. Ça fait longtemps franchement que j'ai plus acheté de maquillage, mais mon époque voilà de suivre les youtubeuses beauté et tout ça, forcément j'avais racheté plein de trucs et c'est hyper pratique. Donc voilà, oui voilà mon pommeau de douche, je voulais vous parler de mon fameux pommeau de douche. Donc le pommeau de douche en fait il est hyper cool, je crois que je l'avais acheté à Echo de douche, je vous mettrai le lien en barre de description. En fait c'est un truc qui permet de sauver un petit peu de l'eau, parce que ça va cracher à la fois de l'eau et de l'air, je vous montrerai dans une vidéo parce que c'est dur à expliquer, et la sensation est hyper sympa. Je sais que j'ai une copine qui est venue il y a pas longtemps qui m'a dit « Mais ton pommeau de douche il est trop cool !» La sensation est hyper sympa et en plus ces petites billes là en fait elles sont censées garder le calcaire, parce que franchement à Paris le calcaire c'est quand même un scandale. Donc voilà, c'est à la fois pour le calcaire et à la fois pour économiser de l'eau. Moi je trouve ça super cool, il y a plusieurs réglages, il y a le réglage où c'est hyper fin et hyper on va dire large, et le réglage plutôt serré et intense, donc franchement j'aime beaucoup. Après voilà, mes produits de douche c'est assez minimaliste, hein. J'ai le shampoing, le savon et l'après-shampoing, c'est tout.
ma petite balle à linge, les petites serviettes, mon éponge Conjac. Et ça, ça c'est hyper cool aussi, je sais pas si vous l'utilisez, c'est pour mettre en fait des... pour accrocher des trucs, ça se crochette sur les portes. Et je trouve ça hyper pratique pour gagner de la place aussi, parce qu'on peut crocheter bah voilà, des sacs. J'ai mis mon peignoir. Je sais pas si vous, vous êtes team serviette ou team peignoir, mais moi j'adore me rouler dans un peignoir. Bref, du coup, là j'ai mis ici, mais j'aurais pu mettre sur l'autre porte aussi qui va être juste derrière. Mais en gros, si vous avez beaucoup de portes chez vous, ça peut vous faire gagner beaucoup d'espace. Donc là, on sort de la salle de bain. Il y a de jolis planchers aussi par terre et on arrive... Tada ! Dans la pièce principale, donc le studio, qui n'était pas quand même décoré du tout quand je l'ai pris, hein, et il y a beaucoup moins de meubles. Il y avait le meuble là-bas, il y avait cette commode là, il y avait le petit bureau et la chaise. Moi j'ai rajouté le canapé parce que je voulais vraiment en fait avoir ce coin dodo et ce coin chill, je fais un peu ce que je veux, je reçois des gens et tout ça. Alors voilà, de la vue de l'autre côté, donc il y a cette commode qui est pleine, mais qui est vachement pratique aussi, qui est plutôt jolie, je trouve. Dès que je peux mettre des paniers, des boîtes, des trucs comme ça, je les mets pour pouvoir stocker des trucs dedans. J'ai mis, voilà, un petit porte-bijoux aussi. Ça, c'était rest in peace, hein, c'était pour une plante grasse. J'ai quand même réussi à faire mourir une plante grasse, je ne sais pas comment j'ai fait. Bref, donc voilà la petite commode. Là, on arrive en face et c'est mon canapé. J'aime trop mon canapé. Franchement, pour trouver un canapé qui était petit mais joli et pas trop cher, j'ai vraiment galéré. Je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos parce que franchement, je l'adore. Par contre, je risque de devoir le vendre. Donc pareil, si vous êtes intéressé et que vous êtes sur Paris, tenez-moi au courant. La petite lampe à côté, ça je l'ai ramenée de Berlin. Je sais pas si on peut dire chiné, mais c'était sur un des petits flea markets qui était, vous savez, les marchés là, quel week-end à Berlin que j'aime trop. Là, j'ai rajouté une petite étagère qui n'y était pas. Cette plante-là, elle est fausse parce qu'au moins je la fais pas mourir. J'ai mis un petit cadre que c'était ma coloc qui est à Amsterdam, avec qui j'ai vécu à New York, qui m'avait donné, j'aime trop. Bien sûr, il y a le petit Bouddha et des petites bougies qu'une copine à moi m'a achetées. Des petits polaroïdes que j'adore avec tous mes amis, ma famille et tout ça. Et il y a un petit attrape-rêve aussi que j'ai acheté aux Philippines. Là, pareil, dessous, j'ai stocké encore 14 milliards de trucs. Donc il y a à la fois un petit panier avec un plaid que j'utilise pas en ce moment parce qu'il fait chaud, et d'autres affaires. La table de nuit aussi, je la trouve pratique pour ça, même si c'est pas très joli parce que du coup, il y a un petit peu le bazar dessous. Mais c'est une table de nuit un peu creuse, donc on peut mettre plein de trucs dessous. Dessus, il y a une plante que je ne sais pas comment elle survit elle aussi, mais, mais pour l'instant, elle tient le coup. Et j'ai un réveil, comment on appelle ça là, les simulateurs d'aube. Donc ça, c'était à ma mère, elle en a eu un nouveau, du coup, elle m'a refilé celui-là. Et franchement, c'est pas mal. Moi, ça me réveille pas avant, clairement. Je dors beaucoup trop profondément pour que ce truc me réveille. Mais c'est sympa de se réveiller, d'avoir déjà la lumière, donc j'aime bien. Et ça, c'est un petit ventilateur que ma mamie m'a acheté pour cet été. Et Dieu merci, parce qu'avec les 38 degrés à Paris, ça a fait du bien. J'ai le 5 Minute Journal, je sais pas si vous connaissez. C'est un journal de gratitude où on met justement trois choses par jour pour lesquelles on est reconnaissant, et deux choses avant de se coucher. J'aime beaucoup beaucoup le principe, j'en ai rempli déjà pas mal, et j'aime beaucoup les deux entrepreneurs qui ont créé ça, qui sont en couple, que je suis. Je vous les mettrai aussi en barre d'infos, c'est Mimi et Alex Icon si vous les connaissez. Bref, mon tapis aussi, c'est moi qui l'ai acheté. Je vous mettrai pareil, hein, tout en barre d'infos dans tous les cas. La petite table, c'est elle qui... C'est la proprio qui l'avait. Faut que je lui demande où est-ce qu'elle l'avait acheté, parce que je l'aime beaucoup. Vous voyez, c'est en plastique, hein, c'est pas du vrai marbre, mais je trouve ça joli. Avec mon petit ordinateur. Et là, voilà, le lit, donc c'est un BZ à la base. Je pourrais le mettre en canapé si je voulais, mais moi je voulais le laisser déplier tout le temps parce que je crois que j'ai été traumatisée de mon premier studio où je devais ranger mon lit tout le temps, sinon je pouvais pas bouger en fait dans mon appart. Là au moins je le laisse déplier. J'ai même acheté un surmatelas. Voilà. Avec qui est quand même assez épais, hein, je pense qu'il doit bien faire 15 cm, et qui vraiment ça change la donne, quoi, parce que les BZ c'est pareil, c'est vraiment pas confort.
Donc les coussins aussi, je les aime beaucoup. La matière est hyper sympa. C'est des coussins qui sont de Maison du Monde, je crois. Voilà la petite étagère. Pareil, je gagne de la place, donc je mets des boîtes en dessus avec plein de trucs dedans. Et là, les petites étagères, j'essaie de les garder quand même assez minimalistes pour que ce soit joli, parce que sinon c'est vite le bazar. Mes appareils photo, ma petite pierre de sel, il y a plein de bazar ici, mais ça va. Et surtout à l'intérieur de mon placard, c'est là où c'est un peu l'anarchie. Je mets mon énorme valise et je mets mon autre petite valise dans mon énorme valise. Et après, il y a tous mes vêtements. Mais là, franchement, c'est pas glorieux, donc je vais pas vous conseiller de faire comme j'ai fait. Et il y a le petit bureau avec ma planche à découper, un petit diffuseur d'huile essentielle que mes copines m'ont acheté. J'ai acheté la machine à laver, elle n'y était pas, donc je vais l'amener avec moi. Et là, j'ai acheté, voilà, là où j'ai gagné de la place aussi, c'est que j'ai foutu la blinde de trucs là-haut, où je mets tout dans des bocaux, parce qu'il faut bien que ce soit fermé, sinon il y a vite les mythes alimentaires qui arrivent. J'ai même optimisé au-dessus du micro-ondes, où j'ai mis 15 milliards d'affaires. Là, on a accroché ça aussi avec mon père, entre les deux, où pareil, je peux mettre mes épices, je peux mettre mes sauces et tout ça. Et encore une boîte, un panier là-haut. Vraiment, vous voyez, il n'y a pas un endroit en fait que j'ai pas utilisé pour stocker des choses, parce que même le côté là, le petit coin derrière, même là j'ai mis des trucs, même s'il faut faire attention vu que j'ai le frigo à côté, ça chauffe, donc il faut pas que je mette des trucs qui peuvent prendre feu ou quoi que ce soit. Mais j'ai vraiment optimisé au maximum. Donc voilà mon petit appartement que je vais quitter. J'espère qu'il vous plaît. Enfin, soit, ce qui compte surtout, c'est quand même qu'il me plaisait à moi. Alors oui, du coup, cette vidéo est assez courte, bah parce qu'en même temps, 20 mètres carrés, ça va assez vite. Mais j'espère que ça vous aura peut-être donné quelques idées sur comment agencer votre espace et comment gagner de la place, justement pour stocker des choses et ce genre de trucs. Je vous ai pas dit beaucoup de détails des choses où c'est que je les ai achetées et tout ça, parce que je sais pas en fait ce qui va vous plaire ou pas. Donc si vous avez repéré, je sais pas, quelque chose qui vous plaît, dites-le moi en commentaire et je vous mettrai la référence et le lien de où je l'ai acheté, si c'est moi qui l'ai acheté, sinon je peux demander aussi à ma proprio. Et comme je vous disais du coup au début de cette vidéo, cet appartement va être libre dans 2 semaines, donc au cas où si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter aussi, je vous laisserai mon email et comme ça je vous enverrai les infos si vous êtes intéressé. Voilà, j'espère que ça vous a plu, puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.